trois défis, à se tordre de rire, et celui qui aura le moins ri au courant de la vidéo gagnera une surprise épique à la fin. Premier défi, vidéo virale challenge. On va devoir se prendre une gorgée d'eau et ne pas l'avaler, et on doit regarder une série de vidéos vraiment très drôles et ne pas cracher l'eau qu'on a dans la bouche. Attention, il va y avoir des vidéos et images surprises au courant des vidéos. Vous êtes juste pas prêts. Tout le monde, vous devez prendre votre gorgée d'eau. Lily, est-ce que tu veux que papa te raconte une blague? Oui. Est-ce que tu connais l'histoire? Attends, j'ai pas fini de raconter. Alors, est-ce que tu connais l'histoire de la chaise? Elle est pliante. D'accord. T'as craché aussi? T'attendais pas à ça? Vous êtes correct? Ok, faut que je reprenne, faut reprendre de l'eau, chérie. But can he chug a sparkling water and not burp? Oh my gosh! What do I do? Voilà, bravo, bravo, hey, vas-y. Blague sans rire challenge. À tour de rôle, on va compter une blague à un membre de notre famille et ni un ni l'autre ne doit rire. C'est parti. J'ai reçu un coup de téléphone hier. De qui? J'ai encore mal à l'oreille. J'ai encore mal à l'oreille. Ezekiel, est-ce que tu veux me lire une blague? Pourquoi un chasseur va à la toilette avec son fusil? Je sais pas. Pour tirer la chasse d'eau. Ah. Ben oui, à mon tour. Je suis sûr que c'est là, tu vas rire. Qu'est-ce qu'un hamster dans l'espace? Un hamstéroïde. Marina, tu peux piger et je vais te le lire parce que Marina, elle a 6 ans donc elle faut pas tu rire, hein? Je veux pas voir tes dents. Que dit une bouteille quand elle arrive en retard? Désolé, il y avait trop de bouchons. Bon, j'ai. Ok. Chérie? J'en fais une autre. Ah, t'es nulle, chérie! C'est épouvantable. C'est deux mouches qui discutent sur un caca. T'es nulle, chérie! Une des mouches fait un paix. L'autre lui dit: dégueulasse, on est à table. Je m'excuse, la team V, je suis vraiment nulle! Tu sais quel cri fait un poussin de 200 kilos? Piou piou! Ok. Ah non. C'est deux œufs qui discutent. Deux œufs de poule. L'un dit: hé, hey, pourquoi t'es vert et poilu? Parce que je suis un kiwi, connard. Oh boy. Généralement, quand on parle de Mozart, il n'est pas là. Mais quand on regarde dans le frigo, mozzarella! C'est tellement con!
Une fesse chuchote à l'autre fesse un secret. L'autre fesse lui répond « Ouais, j'ai ta mauvaise haleine. » OK? Tu vois? Que disent deux chiens à Tokyo? Je sais pas. Japon! C'est nul, j'ai tellement perdu! Tu sais ce que dit un citron qui braque une banque? Oui. Pas un zeste. Qu'est-ce qui n'est pas un steak? Une pastèque. Tu connais la blague du chauffeur de bus? Moi non plus, parce que j'étais à l'arrière. Ce qu'elle a fait! Comment vous dire, mais cette blague est nulle! Pourquoi Mbappé va souvent chez le coiffeur cette année? Parce que c'est la seule manière de gagner une coupe cette année. Quelle coupe? Une coupe de cheveux. Hein? Dernière blague, chérie. Qui est jaune et qui attend? Je sais pas. J'en attends. Elle est nulle, cette blague. Avant le prochain défi, il faut éliminer les deux qui ont le moins de points. Alors, roulement de tambour. On me dit à l'oreille que c'est papa et maman. On est complètement nuls. Donc, c'est les enfants qui font la grande finale. Essayez à la maison de ne pas rire vous aussi pendant que vous regardez cette partie de la vidéo. Je vous mets à l'instant au défi et allez écrire en commentaire si vous avez été capable de réussir. C'est le Pita Challenge! Chacun doit boire une gorgée d'eau. Ils font un shifumi. Celui qui gagne peut donner une tape de pita dans le visage de l'autre. Et c'est ainsi jusqu'à temps que quelqu'un rit. Et celui qui rit est le perdant et l'autre est le gagnant. C'est parti, je vais verser de l'eau et vous gardez l'eau dans votre bouche. On joue selon les règles, pas de triche. On garde l'eau dans la bouche. Parfait, eau dans la bouche. Parfait. Pita, allez, c'est le shifumi. Alors je vais être l'arbitre du shifumi. Shifumi. Ezekiel gagne. Ezekiel commence avec... Premier coup de pita. Regarde. Ça va durer quand même. Oh! Oh! Il commence à avoir de l'eau qui sort. Ezekiel commence! Oh! Attendez! On me dit que c'est pas assez. Ben, non, ok. Allez, allez! Oh! Oh! Allez, 10 minutes plus tard. Ezekiel a gagné le défi! C'est notre grand gagnant d'aujourd'hui! Donc, bon putain, pas de gaspillage ici! Ezekiel a gagné 100$! Yes! C'est son choix! Bravo, Ezekiel! Gagné 100$ à dépenser! Je vais partager la moitié de ma somme. On va aller au magasin de jouets! Si t'as aimé cette vidéo, clique sur celle-ci et oublie pas de t'abonner parce qu'on fait des vidéos vraiment cool à chaque semaine. Bye! Bye!